Bonjour, mardi 28. C'est ça, 28. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Il est assez tard là. Je viens de déposer Eric au lycée. Il est 15h déjà. Je dois aller à la poste. Je dois aller à la banque. Je dois aller à Jardiland. Je dois m'occuper de plein de trucs administratifs très très, très pénibles, mais qu'il faut absolument faire. J'ai commencé les. Oh, j'ai même bien avancé les décos à la maison, déco de Noël, très épurée. J'ai gardé le même que j'avais acheté. Alors, c'est vraiment pas le sapin tradit, hein. Je vais vous montrer de toute façon. Et voilà, je voulais juste une petite ambiance cosy. Pour vous dire, Eric, tout à l'heure avant de partir, j'étais dans le salon. Je lui ai dit alors, comment tu trouves la petite déco? Il me dit, hop, oh, j'avais même pas vu. Je sais pas si... En même temps, j'avais pas allumé. Mais moi, je vous montrerai tout à l'heure quand ce sera allumé. Je passerai peut-être vite fait chez Jiffy. Ça fait, waouh, ça fait au moins plus d'un an que j'ai pas été voir à Jiffy, mais je sais. Que quand j'y allais, vous savez, j'étais en collaboration pendant au moins 2 ans. Jiffy m'envoyait en fait des bons, de l'argent plusieurs fois par mois et je pouvais acheter tout ce que je voulais en fait, mais genre tous les mois 150 euros. Mais à un moment donné, c'était trop, je leur ai dit stop, on arrête, c'est trop quoi. Je prenais même plus de plaisir, j'achetais pour acheter, bref. Mais à chaque fois, à la période de Noël, je sais qu'il y avait un petit coin un peu dans les roses poudrées avec des décos très sympas, donc je vais juste aller voir, vu que c'est à côté de Jardy. Voilà. La poste, la banque, c'est fait. Là, je vais faire un petit tour à Jiffy. Ah, je vous montrerai aussi un petit peu l'avancée du calendrier de l'Avent. Vous l'avez constaté, nos prix sont Alors là, c'est un peu étonnant parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes choses qu'il y a 2 ans. Il y a moins de choses. Alors la guirlande là, de baies, j'aime beaucoup. Ça peut être très joli, mais par contre, 10 euros. Je sais pas si c'est moi qui trouve ça cher, mais 10 euros. Et bah, heureusement qu'elle n'était pas en verre. Hein. J'avoue. Je vous ai. Oh, j'ai mis mon genou, t'as vu? Au moment où il a sauté. Oui, comme quoi il est pas très malin. Bah non. Regardez, je l'ai calé comme ça. Pam, quand je parle, je suis comme ça. Bon, bref, on s'en fout. Une baisse de motivation cet après-midi. Du délire. Je sais pas d'où ça vient. Il est déjà 17h, je vous ai très, très, très peu pris. J'ai fait ce que j'avais à faire déjà, c'est pas mal. Entre-temps, qu'est-ce qu'il nous a ramené, le gars Eric? Et ben, il m'a ramené un petit goûter. Est-ce qu'il me connaît? Il me connaît plutôt bien, hein, sabot au chocolat. Moi, je vais pas tout manger. Non, Jack, c'est pas pour toi. Et je vais vous montrer les petites décos. Très honnêtement, Eric, on est d'accord, ça rend beaucoup mieux en vrai. Oui. Tu aimes bien? Oui. Toi qui n'es pas très ambiance Noël, tout ça. Là, c'est joli. C'est joli. T'as failli t'endormir tellement c'était bien. Je me suis endormie. Par contre, il est relou, là. Là vraiment, il est relou. Hein. Il est très, 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 très relou. Non, ta place. Non. Maman, elle mange un tout petit bout, puis après, je vous montre. Donc, en allant à Jardiland, ils ont souvent des petites choses sympas. Et comme je vous disais, je vous l'ai dit, je ne vous l'ai pas dit, mais il me manque 5-6 articles pour le calendrier de l'Avent. Je suis tombée sur, regardez, 11 euros. C'est franchement très, très, très correct. La beauté déjà du petit coffret. Des mini bougies en dégradé de vieux rose, de violine, c'est magnifique. J'espère que ça, par contre, le sticker, s'il va partir sans faire de traces. Chez Jiffy, j'ai juste pris une chose pareil pour le calendrier de l'Avent. Ne regarde pas. J'aurais pu le prendre pour moi parce que je sais qu'elle aime bien détourner des objets ou faire elle-même après des petites décos. Je vais essayer de pas le péter, c'est très 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 fragile. Et pour le coup, j'ai trouvé ça très mignon, vous savez. C'est des cloches en verre pour mettre des mini pâtisseries. Donc elle, je pense qu'elle va mettre soit une déco, fleurs, des choses qu'elle va faire elle-même, soit tu mets, imaginez, 3 petits chocolats, des mini-hardis, c'est plus le prix. C'était pas excessif, hein. Voilà, eux, ils présentent ça comme ça, si jamais ça vous intéresse. Donc c'est vraiment mini, hein, c'est tout petit, et c'est ça qui fait que c'est joli, je trouve. Et je me suis pris, alors là, c'est pour moi, j'avais déjà une de leurs boîtes, je les trouve très belles, leurs boîtes carrées comme ça, plates, avec une tête de cerf. Et ça, je trouve ça très beau. Alors, on peut mettre bien sûr des petites chaussettes, des culottes ou rien. Juste de la déco, voilà. C'est la seule chose que j'ai prise, mais je suis très contente. Il ne manquera plus que 3 ou 4, 3, 4 choses, mais je sais déjà. Je sais déjà ce que je lui prendrai pour compléter. J'irai, je pense, demain matin. Vu qu'il faut que je redépose un dossier à la banque. Hein, le truc de la banque, vous imaginez bien que c'est pour le crédit. Hein, voilà. Et je vous montre les décos. Je n'ai pas du tout terminé. Hein. J'ai laissé
C'est moi qui avais customisé avec voilà, des petits rubans que j'avais fait moi-même. Et je vais rajouter bien évidemment des petites boules, des petites choses. Je vais quand même pas charger trop. Parce que ça nécessite pas, c'est pas fait pour, je trouve. Voilà, pour l'instant, il est comme ça. Ici, bah, j'ai mis le petit cerf lumineux. Et là, j'ai utilisé donc une petite LED. Pareil, ça rend beaucoup mieux en vrai. Je vais allumer là, parce que... Ouf. Voilà. Et on a toujours le chat qui rôde. Tu vas à ta place ou je me fâche? Ici. Voilà, tiens quand tu veux. Non, les quatre pattes, ça sera très bien. Les quatre. C'est bien, t'as presque... Voilà. C'est bien, la gratouille. Il faut savoir que les chats, en tout cas Jackie, ils aiment beaucoup l'ambiance de Noël. Vous l'auriez vu tout à l'heure, il était là, il bichait tout ce qu'il pouvait. Il était sur son plaid, tout en regardant les petits éclairages. Il était à deux doigts de se faire un chocolat chaud. Hein, c'est vrai. Tu l'as bien défoncé la chaise encore. Bon, je vais peut-être me ranger tout ça quand même. Oh, c'est trop beau. Regardez. Juste avec des petits gâteaux déjà, c'est super mignon. Mais je vois trop... comme une petite montagne de chocolat, de joli chocolat. Sur une grande table, t'en mets trois en centre de table avec plein de choses différentes. Essayez avec des mini, c'est trop mignon, des mini meringues. Voilà, je vais tous les faire. Ah, et par contre. Ah non, 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 non. C'est pas possible. Donne-moi ça. Voilà, plus belle. Nous sommes le lendemain, comme prévu, je pars. Là, je vais déposer Eric au lycée. Il commence, je crois, à 9h. Après, je vais à la banque déposer tout le dossier, en espérant qu'il ne manquera rien. J'en profite après, je fais ce que j'ai pas pu faire hier, donc les courses. Je finalise le calendrier de l'Avent, il me manque 4 cases. Je rentre, je fais, j'emballe tout ça. Et je pense que on sera pas mal, déjà. J'ai eu mal toute la nuit, et hier soir aussi à fond. Ça recommence, les ovaires, c'est le kyste, c'est le kyste. Il est revenu, il va falloir que je fasse encore une écho pelvienne. La dernière fois, j'ai fait, c'était il y a 3 ans, mais j'espère qu'il ne s'est pas planté. Hein. Il m'avait dit non, c'est bon, c'est pas organique, c'est fonctionnel, c'est-à-dire que les kystes vont, viennent, voilà, c'est pas gênant. Mais il ne me l'a pas dit genre formel, il dit non, pour moi, c'est... Je voulais remettre le plaid en place. Ça va pas être possible, là. C'est compliqué, hein. On ne peut pas déloger un gars comme ça, c'est pas possible. Comme il n'est pas encore 9h, la banque n'est pas encore ouverte, par contre, je vois que la pharmacie ouvre. Comme j'ai plus de espace fond, je file. Pharmacie. Fait. Ils ont des belles assiettes hein, à Leclerc. J'en avais vu dans les roses tentes, c'était beau, mais il n'y a plus. C'est beau, hein. Vous l'aurez compris, j'ai atterri après être allée à la banque où j'ai laissé mon dossier. À Leclerc. Je continue et j'ai aucune idée de l'heure. J'ai oublié mon téléphone, un truc qui m'arrive jamais. Il s'est réveillé. Ah non, non, mon petit biou. Je vais pouvoir refaire tout le dodo parce qu'en fait... Je l'ai quitté hier soir, il était déjà sur son plaid. Ce matin, comme on l'a vu, il était encore. Ah oui, tu dors beaucoup, mon doudou. Hein. Alors, j'ai trouvé, bah, c'est bon hein, pour le calendrier. En fait, ce calendrier de l'Avent, c'est un peu mon cadeau de Noël pour ma maman. Et la case du 24, je mets un petit cadeau un petit peu plus supérieur, on va dire. Voilà. Ça, vous en foutez un peu, même s'il est très pratique. Hein. Comme je vous le dis à chaque fois, essuie tout condensé, qui équivaut à 10 rouleaux. Ça prend quand même moins de place. J'ai trouvé le pop. Et j'avais pas le choix, donc j'ai pris le noir. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce que j'ai pris également? Ah, ça aussi, c'est pas du luxe. Pour nettoyer et les écrans, et les lunettes, et la caméra. Donc en fait, tir groupé. J'ai repris ma petite confiture Bonne Maman. J'ai voulu tester ça pour les gencives un peu sensibles. Donc, je sais pas du tout si c'est adapté pour moi, mais il y a marqué complète protection. Donc go. J'ai pris également des surgelés. Je vais m'empresser de mettre au frais, même si ça ne doit pas craindre les masses. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Steak haché, les 5% de matière grasse. Charal, pas du tout. Céréales. Le trio, c'est à l'envers. Bon, voilà, il y a quoi? C'est des choux. Des choux romanesco, des choux, choux. Par contre, il y a un problème. Je suis passée à la pharmacie. J'ai pris des espaces fonds. On m'a conseillé les liocs qui agissent plus vite. Et j'ai pris également ça, des petites pastilles. Phytoxine. Et... Je n'ai pas, en fait. Dans le pochon, il n'y a que ça, il n'y a pas d'espace fond. Mais j'ai payé en tout, ouais, parce qu'elle s'était trompée. La première fois, elle m'a payé 60 centimes. Elle m'a dit, voilà, oh je me suis trompée. Et donc, 60 centimes plus 5,90, ce qui nous fait 6,50. Donc, soit ça coûte 6,50 et elle a oublié, ou soit, je ne sais pas. Donc, je vais y aller. Oh, flemme. Je suis en train de regarder le prix, là, sur Internet, des phytoxyles. 9 €, 8 €. Donc là, je ne comprends pas. C'est bizarre, on va la oublier les trucs. On va la oublier.
Voilà, est-ce que vous voyez mieux? Impeccable, comme quoi ça tient pas à grand chose. Hein. Par contre, ça coûte extrêmement cher, hein, 15 euros. C'est un petit bout de plastique. Bon, voilà, ça passe. J'ai pris le plus soft, hein, tout simplement. Ah bah voilà, c'est quand même autre chose. Beaucoup, beaucoup plus pratique. Concernant mon petit sapin en plein jour, donc il va falloir que je mette les petites boules qui vont bien. C'était histoire que vous voyez vraiment de près ce que j'avais fait l'année dernière. J'avais coupé plein de petits bouts de ruban. Comme ça, comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose d'harmonieux. Avec toutes les petites décos. Alors, j'ai plutôt bien avancé. Ça, j'adore. Le petit clips, comme ça rend bien. Hein. Et je trouve que l'ensemble est assez harmonieux. Il y a quelque chose de romantique, d'un peu voluptueux avec les petites plumes. Évidemment, ça rend beaucoup mieux allumé, donc le soir. Mais dans l'ensemble, ça me va. Un sapin qu'on ne va pas voir partout. Je vais l'allumer. Voilà. Ben évidemment que c'est joli. Ah oui, j'ai également rajouté tout le long de la rampe une guirlande, alors lumineuse, oui. Il faut s'approcher, c'est le soir vraiment que ça rend bien. Je trouve que ça finit. Et quand tu arrives, c'est plutôt très sympa. Voilà. Je vous montre l'avancée du calendrier de l'Avent. Il va me rester 8 cadeaux à peu près à emballer. Donc là, on a mon calendrier évidemment de l'Avent. Et ici, bah, c'est les petits indices que je vais venir clipser sur bah, le support en bois que j'avais, j'avais fabriqué tout simplement. Elle vient l'accrocher en haut de sa porte. Et puis, bah, tous les jours, elle prend le petit numéro. Je vous reprends 3 heures plus tard. Elle a sauté pour la deuxième fois de la journée. Je viens de la relancer. Ouais, c'est pas sûr que vous me captiez là. Vous me captez? Par contre, vous voyez, petits éclairages, ça fait joli. Ça fait 3 heures, donc pas de chauffage. On doit être sur du 15 degrés, d'où les 1, 2, 3, 4 couches bibindome. Et plus, je suis en montage, plus bouillotte dans le dos et gants accessoirement. Mais pour pianoter, c'est pas ouf. On la relance, ça va le faire. Franchement, demain, à partir de demain, vu que ma concierge était pas là, c'est pour ça que j'ai laissé de... J'ai trop peur quand ça fait ce bruit-là. J'ai laissé le mot en mettant urgent. Problème de chaudière. Les choses sont en cours. On va avoir une nouvelle chaudière, une belle chaudière. Par contre, elle m'a bien dit que il fallait que je me dépêche. Quand je dis elle, c'est la femme du plombier. Qu'il faudra quand même 15 jours hein, pour entre le moment la commander, la recevoir, la poser. On va la relancer à chaque fois manuellement, puis c'est tout. Ça, elle est pratique cette bouillotte parce que tu peux mettre tes mimines aussi. T'as un petit espace dédié. Si jamais ça vous intéresse, j'ai terminé une série. Je crois que c'est adapté d'une histoire vraie. Une famille presque normale. Thriller, franchement très bien. Je crois que c'est, ouais, c'est suédois. Et là, je suis sur la série. Ce sont des mini-séries. Un orthodoxe. Pas mal du tout. J'ai regardé un épisode. Ça y est, ça m'a déjà emmené. Et j'ai hâte de regarder la suite. Franchement, c'est hyper bien. Et également Squid Game, le défi. Donc sous forme de... Enfin, c'est télé-réalité, quoi. Avec des vrais candidats. Et je me suis prise au jeu. Hein. J'ai hâte de voir la suite. C'est hyper bien foutu. Donc Squid Game, si vous avez la référence, il faut avoir vu quand même le film initialement. Mais c'est pas mal. Donc en ce moment, je suis sur ça. Et puis forcément, la petite quotidienne Starac. Pour les personnes que ça intéresse également, n'hésitez pas à me rejoindre. Je suis beaucoup plus présente maintenant. J'ai décidé de l'être sur Insta. Donc sur ma page Insta, si c'est pas encore fait, Caroline Rouxel. Voilà. Je poste des petites vidéos, des photos, et puis je fais des posts, je vous informe de quelques petites choses, notamment des parutions des vidéos, et pas mal de choses un peu différentes des vlogs. Et concernant la box que vous êtes en train de dévaliser, clairement, vous avez encore jusqu'au 11 décembre pour la commander, la merveille de Noël, voilà. Je l'ai appelée comme ça, elle porte très très bien son nom, vraiment. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mercredi. Non, pas du tout, je vous dis à vendredi.